petite cousine. Il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez Pape Maria. Achoum! Achoum, 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 achoum! Bien ça. Elle hôtellerie toujours, hein? On l'aime, on l'a oui. Une petite coquille. Dommage que ça fait un peu à la bouche. Pardon. Que... J'appelle la petite Divine. Qu'est-ce que dit la papille? Qu'est-ce que disait la papille? Beau chapeau, hein? Beau chapeau. Oh, le beau chapeau. Tu vas. Tu as peur? De qui as-tu peur? Je ne sais pas, son fils. Je ne le connais pas, c'est toi, normal. Toi, Emily, va. De toi. Comment t'as ton père? On peut demander à Brigitte. On peut demander à Brigitte. Mais qu'est-ce que tu fous? Vous ne voyez pas encore? C'est pas rentré? Non, ils sont partis. Bah, est-ce qu'il vient avec ta chaud? Il pas chaud, le stick. Mais Dominique est encore là-bas? Dominique est restée parce qu'on fait nos pouces aujourd'hui. La sœur de Dominique. Ah, ah tu es sœur? La machine est venue. Bah, je réalise pas, moi, je t'en fais remarquer ce qu'ils conduisent, c'est toi? Je suis revenue au train. Allez. Ah oui. Ah, c'est très intéressant. J'aimerais bien. Ben, Margot, tu viens de dire bonjour, elle est partie. Oui, bah oui, belle lieu. Cours après, c'est moi. Oh, ben, c'est beau. Vous avez deux ans. Et ta voiture? Voilà. Oui? Oui, j'ai pas compris. Ah, bah, je comprends aussi. Ouais. Maman. Maman qui est revenue. T'es contente, hein? Ah, ils sont déjà en train de faire les pouces aussi, mais t'es contente. Ben oui. Alors, comme il était rincé aujourd'hui et demain, il aimait mieux être là. Oh oui. Et le type aimait mieux qu'il soit là aussi, ma foi. Oui, oui. Voilà. Elle a bâti à jambes, Cécile. Elle a bâti à jambes. Ah bon? Alors, ils ont un jardinier qui a occupé à ranger le tour de la maison. Elle est venue avec des camions. Autrement, Dominique revenait aujourd'hui avec elle. Son mari est bien pensionné comme ça. Oui. On va faire la pelouse. Ah, ce sera beau alors. Ben oui, si au soleil tu vois, il fait. Mais si je m'assieds à l'eau, on va se mettre à l'eau. Tu auras la balançoire. On a déjà. Non, non, il n'y a personne. Oui, mais attention à mon verre. Il n'y a personne. Attention à la revue de mon nom. Oui. Ah, mon nom. Tu veux un verre de jus de fruits? Non, ça va. Merci. Et toi, Romain? Romain, toi? Enlève ton pouce. Enlève ton pouce. Un grand garçon. Oh, quand mon oncle est mille, qu'est-ce qu'il va dire aux gens de la ville? Et pourquoi est-ce que vous me restez Moslo? Il me va quitter, là. Allez. Bonne heure, Maradei. Bonne heure, Maradei. Oui. Non, mais là, on a parlé, Henri, je le compte. C'est de la vieillerie, là, ce que vous voulez. C'est de la vieillerie, hein, Maria. C'est ça, hein. Si on pouvait changer ça. Si on ne peut pas changer. Transformer, hein. On ne peut pas transformer ça. Si on pouvait changer ça, comment on change les mots? Voilà. Hélas, hélas. Regarde un petit peu son truc, comme il est beau, Émile. Et le nôtre, il n'a pas de fleurs. Belle fleur, hein. Oui, nous en avons un qui grimpe. Et il est ouvert, mais il n'a jamais de fleurs. Hein. Oh, celui-ci, il n'y a pas longtemps qu'il porte quelques fleurs, nous aussi. Oui. Oh oui. Ces années-ci, il ne portait pas non plus. Non. Regarde un peu toutes les fleurs qui vont encore s'ouvrir ici. Oh là là. Bon, mais cette année, je n'ai pas soigné. Au début de la saison, ça n'allait pas. Mais le lierre, qui n'a pas de fleurs chez nous. Nous n'avons pas de lierre en fleurs ici non plus. Derrière toi. C'est une clémentine. Une quoi? Une clémentine. Ah. Clématite. J'ai bien, mais j'ai dit clémentine. Parce que j'ai dit du lierre. Non, le lierre ne fleurit pas. Ah mais... bah non, les vignes vierges non plus. Hein. Brigitte, viens plus avec elle là-bas, tiens. C'est marchandise. Ben, tout ce qui hé, hey, papa, attends une minute. Que tu sois un peu au soleil. Allez, au soleil. Ah oui, dans l'ombre, ça me donne plus. Voilà, ce citoyen d'homme. Qu'est-ce que tu as vu? Mais il a retiré son taxi. Le moment, elle est très bien. Oui, c'est Marie. Oui. Je vais fermer la porte. Je vais sauver ce reste, c'est chaque. Non, pas encore. Mamie a laissé des groseilles sur les arbres. Il n'y a que des fraîches là, Simone. Quelques-unes, oui. Oh, oui, ils sont bien rouges pour les cultes. Maman n'a pas eu. Quoi dit? Des fraises. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors, vous êtes raconté après? Thomas. Thomas.
belles oui, tu as vu elles commencent à mûrir. Oui, oui. La première plante. Oh, oui. Oh, elles sont bonnes. Hein. Oui, qui va? Viens faire Idata. Allez, Idata. Simone, si tu restes là à l'ombre, hein, tu vas avoir une tête comme une négresse. Oui. Une tata. Un peu près d'elle, maman. Oh non, je suis malheureuse. Cherche le petit fauteuil. Elle a envie d'un moment. Encore. Bah oui, mais dis, je suis encore à bout de souffle. Elle roule le jeu. Brigitte, enlève un peu le parapluie que j'ai ta mère au soleil. Appelle le divin maintenant. Appelle le divin. Qui a fait le divin? Maman, t'es au soleil, ça ne va pas. Non. Viens promener un peu. N'y est pas. Voilà. Maintenant, elle y est. Non, elle y est. Ne bouge pas le parasol. Il faut être au soleil. Viens promener, Florent. Viens promener, Marie. Si j'allais chercher la casquette, Romain. Quel âge il a, Romain? Il aura 5 ans fin octobre. Il est grand, hein? Oui. Il est grand, le petit, hein? Il est grand, le petit. Pourquoi est-ce qu'il rit toujours comme ça? Il va à la petite école. Oui. Et bientôt en première. Toi, tu vas casser le ménage, oui? T'as vu ça comme tu veux. On tire par les cheveux. Troisième maternelle. Elle est belle, ça va. La troisième maternelle, tu es. Ah oui. Bah oui, mais je ne sais sûr. Marine, tu peux passer à le divin. Elle est gentille, moi. Papa, mamie, il a donné notre tien. Allez, venez dehors. Il est sous la table, le sien, maman. Allez, Marine. Il est ici, Toby. Tiens, il est là. Il est là, Toby. Il est là, tiens. Là, sur la table. Tu peux bien payer 49 francs. Oui. Moi, je ne les ai pas trouvés. Hein. J'en ai pas acheté. Ça me rend gêné de voir tout ça, tante Maria. C'est l'escalator. Oui, je les inspecte, je les regarde. Ils sont mignons. Oui, dada. T'as hop là, elle a trouvé sa place. T'as pas mis ton maillot fio? Elle va faire une drôle de tête quand elle se verra, celle-là. Elle est occupée à réparer ce soulier. C'est un petit qu'il aime. Au lieu de venir chez moi. Heureusement que ça ne casse pas. Le chapeau. Oh, le billard chapeau. Celui-là, c'est pas moi. Comment l'avait conseillé chez moi? Oh, tant pis, ça m'est bien. Le mien, tu as plus de bourrade. Non. Tu n'es pas fort. Non, Romain. Maman, t'as l'air arraché les oreilles, quand même, Romain. Il y en a deux. Va-tu pas à la balançoire, Romain. Va te montrer à ta Maria comme tu vas bien à la balançoire, là-bas. Il y a papy des armises. Se dépêcher pour avoir fini de faucher pour quand Romain viendrait. C'est comme ça chez nous aussi quand ils viennent, alors. Ils t'ont coupé. Ben oui. Il y a beaucoup à faire, hein, maintenant. Il faudra la tondre cette semaine, hein, Hélène. Dans les jardins, c'est jamais fini, hein. Regarde l'autre. Il a fait du foin, je vois. Oui, c'est déjà la deuxième coup. Viens mettre ton chapeau. C'est pour les lapins? Oui, oui, c'est pour les lapins. Je vais m'amener. Mais pour les gosses, quand ils viennent aussi, il fait du thé avec un. Nous, on a trois moutons, hein, je l'ai dit. Ah, ça fait des oui, moutons. Oui, on a pris des moutons. Oh, ben, vous êtes quitte de faucher, alors. Ah, ben oui, c'est pour ça qu'on les a pris. C'est le fauchage qui se fait automatiquement. Et dans le jardin, tu as déjà des courgettes, tante Maria? Ah ben, ça commence, quoi. Moi, j'en ai récolté une, déjà. Oui, mais elle est déjà bonne à manger. Oh, elle était comme ça. Allez. Oui. Dominique, ben, non, une grande comme ça, c'est la caméra. Non, voilà. Papy Gérard, il a prêté la caméra à papa Dominique. Ah bon? Quand tu te verras, hein, oui. Tu vas avoir une tête de négresse. Et comme tu as les cheveux très courts, c'est tout à fait ça. Bon, Garvin, hein. Oui, mon ami, on va revendre. Mais tu donnes le papier à Simone ou bien tu le portes?
Mais je me vais le bailler en tête. Mais tu le bailles, mais tu ne restes pas, hein? Mais non, allez. L'autre fois, il est allé là, il ne revenait plus, tu te souviens? Ah, chez Jean Collard. Bon, oui, moi, comment est-ce qu'il va? Oh, il est bien. Il est bien, hein? Ah, oui. Oh, moi, je l'ai vu en film, hein? Oui, oui. Il a filmé madame. Ah, oui. C'est solide, j'espère. On a monté sur le tête. Ça t'a apporté trois. Attends, son deuxième, Adrien. Garçon, ah oui, on le voit pas prendre. Son vélo. Pardon? Son troisième, tu veux dire. Deuxième, Brigitte. Ah, Brigitte. Celle qui est sur la balance avec la petite, là. Allez. Pour début novembre. Oh, non, on ne le voit pas, on ne le dirait pas. Et la bonne mine et tout, souvent, on l'est tiré hein, quand c'est comme ça. Elle va, hein? Elle est bien. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Oui. Dis Romain. Et alors, Florence, elle dormait dans ton lit? Non, le 19. Le 19 déjà? Le 19 du 7, 1990. Mmh. À 17h15. C'est noté là? Oui. Dormait dans ton lit? Florence. Florence, elle ne dormait pas dans mon lit. Elle dort. Ça, je ne sais pas. Dis comme il est brun, je n'arrive pas à voir ses cheveux. C'est bien. Fais attention à ton grand-père, c'est celui qui culbute, hein. Il a fait des trous à son pichet. Il a été chercher du bois. Assieds-toi, André, repose-toi. Il a été trois fois au bois le matin avec notre Jean. Après-midi, il a été fauché le jardin de mon père qui ne faisait pas de bien avec ça. Repose-toi. À qui est ce grand bonhomme-là? C'était à toi. Regarde la boxe, mamie. Il vient à toi maintenant, hein? Mon frère. Ouh, pauvre, oui. Il va souffrir avec toi comme ça. Comment? Doucement, mon frère, doucement. Ça, c'est un maintenant, parce que j'ai mal. C'est mal? Qu'est-ce que tu te fais? Ben, tu vois, je me suis attrapé un peu partout. Marine. Le doigt, tu te fais attraper par un doigt. Elle pile et puis alors 2 minutes après, lui, il est calme. Tu te fais attraper par un doigt. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà, voilà. J'ai attention parce que le parasol, il a les baleines qui dépassent. C'est laquelle qui fait la culture? Oui. C'est laquelle qui l'a l'endroit vous flûter? Oh, aucune. Hein? Aucune. Mais si, hein. Laquelle, André? Qui s'est occupée à téléphoner, là? Oui. Ah, c'est Marine, je pense. C'est Marine, je pense. Celle qui est dans les bras ici. C'est moi, Marine. Sa bibi. Sa bibi. Alors, ça va dégâter. C'est comme ça, t'as raté, Romain. Oh là là. Ah, mais oui, c'est vrai. Ça, c'est l'idéal, hein. Qu'est la pauvre bête. Ne le fais pas avec ta petite sœur. Avec tes pieds, la manche. Doucement, quand même. Doucement, quand même. Pas tu vois qu'il fait ça avec sa petite sœur, tout d'un coup. C'est la boxe namuroise. Oh non, il aime bien sa petite sœur. Tu vois qu'elle vend un sauvage, t'as marié, t'as pas froid? Ah, penses-tu, j'ai chaud. J'ai eu tellement chaud de la journée, je crois que je ne me refroidirai pas. J'avais été au soleil toute la journée. Ah oh ben oui, hein, qu'est-ce que tu veux, il fait double dans les voitures. Oui. Où est-ce qu'on était fourrés? Tu te rends compte? Je me souviens toujours quand vous étiez encore jeune, on avait une fois été à la pêche, et qu'on était rentrés un peu tard. Oui. Ah ben tu vois, comme il a toujours été comme ça. Il n'a pas changé. Avec ton papa. Non, c'est terrible. Parce que l'heure, c'est l'heure. Hein. Oui. Mais il faut tout de même devenir un peu plus large d'idée. Ah oui. Hein. C'est pas encore parce qu'il vieillit ou tout ça, tu sais. Non, c'était son caractère comme ça. Mais c'est encore plus maintenant parce que tu vois, oui, c'est peut-être pire. Ça, c'est il est habitué depuis plus longtemps à faire à son idée, à vivre seul. Tu comprends? Alors ses idées sont encore plus ancrées en lui que quand il était jeune. Elle les femmes trouvent ici même. Comment ça, c'est comme ça, Bibine, voilà. Elle l'appelle le divine Bibine. Mais tu sais, le vent est frais là, ici. Oui, le vent commence à se sauver. Le soleil, ça va. Allez, on va faire nos adieux touchants. C'est bon, il faut des grosses fesses. Et hop là. Voilà, maintenant il est placé. Oh, c'est je ne sais pas ce qui nous est arrivé hier. Papa rentrait l'organe. Alors, il met tout dans un cendrier, puis il monte au grenier. Ça a pris feu. Moi, je lavais ma salade dans les villes, le robinet coulait, ça faisait du bruit.
Alors j'arrête le robinet et crie. Simone, Simone, j'accours, tu ne sais pas ce qu'il y avait. Louis était coincé là-bas à quatre pattes sur la fenêtre du grenier qui tenait le cendrier de foin. La petite était au-dessus des chalons. Ah, elle était montée. Il la tenait par la main. Ce petit furet-là était au-dessus de l'échelle. Oh, c'est terrible. On a passé de ses deux yeux pour le surveiller. Oh. Elle avait déjà la petite jambe pour monter par sur la fenêtre, tu te souviens? Yeah. Ah mon Dieu, sans donner la main même, hein. Ah, dans la bouche, Marine, ça fait bobo. Tu vas te piquer la lampe. Non. Va te passer la lampe. C'est déjà passé. Je crois que... Demande si elle n'a pas juré aussi. Ah oui. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. On a deux pieds. Une minute d'entrée. Ah oui, assez. Comme en Italie, t'as suivi le mondial? Oui, oui. Allez, oh, j'ai accordé hier. Heureusement qu'il faisait frais quand le mondial avait lieu. Hein. On faisait du feu à la tous les jours. Parce que s'il avait fait ce temps-là, on vient au jardin quand il fait beau. Ben voilà, ils ont bien choisi leur moment. Mais quand les belles jours étaient partout, là, ah oui, j'avais suivi aussi. Les diables rouges, oui, on en a même filmé. Oui. Et alors après, c'était les Italiens. Et on était attirés. Je disais toujours à la mi-temps, je vais dormir. Non, le divin. Et puis la deuxième mi-temps reprenait, je restais bien souvent aussi. Parce que c'était tard les deux premières semaines, je trouve. Quand les matchs commencent à 9h, je trouve ça plus tard. Mais ce que je préférais, c'était Calcio Club. Ah oui, oui. Les intermèdes entre les deux. Ah oui, oui. Ah, ça, j'adore. Ah oui. C'était ça le plus beau. Moi, j'ai préféré ça au match. Oui. Ah oui. Les discussions, là, les bavardages. Oui, c'était amusant. Bravo. Pour de sous demande d'ailleurs, il doit y passer. Hein. J'ai quelques glaïeurs là. Tu auras ma queue comme tu ça. Tu ne blanchis pas de cheveux, toi, ton Maria. Quoi? Tu ne blanchis pas de cheveux. Oh, pas du tout, non. Je ne blanchirai jamais. Jamais de la vie. Oui, j'ai fait moi-même. Pour m'atteindre la vie, elle aura une autre couleur. C'est Cécile qui me l'a fait. Ouais, moi j'ai fait moi-même.